X-Wings Fort Boyard, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo inédite. Et du coup je vais vous la présenter, tout ce que j'ai trouvé au Vifournier comme présidente d'avant. Et du coup j'ai tout trouvé, les poupées Wings Mattel, tout ce qui a été en double et tout ça. Et du coup je suis bien contente de enfin les retrouver, parce que je les cherchais vraiment partout, parce que je voulais absolument terminer ma série, absolument, et je sais pas quand. Il faut que j'essaie de finir ma série en vitesse. Bon, je sais que je suis encore coincée, et en plus, je vous ai pas dit, je suis encore malade, et je suis allergique au pollen. Et comme vous l'avez vu sur Instagram, du coup, j'ai décidé de faire la review rapidement possible avant que ma gorge encore me coince un peu. Du coup, c'est pour ça qu'il faut que je fasse la review inédite. Donc, c'est parti, je vais vous la présenter, les poupées Wings que j'ai trouvées au Vifournier. Voilà, c'est parti. Donc, c'est parti pour la review. Mais par contre, je vous se dépêcher que je vous présente les restes des poupées Wings ce matin. Et comme je suis un peu malade, donc excusez-moi pour ma voix, c'est normal parce que j'ai allergique au pollen. Et du coup, je vais vous la présenter déjà. Donc, on commence par elle. J'ai acheté elle. C'est Bloom complètement toute nue. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, j'en ai besoin parce que c'est pour faire une custom quelque chose, mais spécial. Et je n'en dis pas plus. Mais comme j'ai pas encore quelle custom je pourrais faire, j'hésite entre Drake Bloom ou soit je ne sais pas. Mais ça, faut que je reste à peut-être l'an prochain. Et du coup, j'ai acheté cette poupée là. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi fait une belle custom pour elle. Il s'agit de Flora, mais je l'ai appelée Drake Flora. Et comme vous, je sais pas si vous l'avez vu peut-être dans ma série des Wings, mais peut-être que je l'ai pas encore publié. Du coup, j'ai customisé en Drake Flora, tout simplement. Donc je l'ai fabriqué comme ça, comme chaussure. Bon, c'est pas une chaussure, c'est une chaussette. C'est comme ceci. Puis la robe, elle est comme ceci en tissu que j'ai fait aussi. Donc dites-moi en commentaire si vous l'aimez ou pas. Donc là voilà. Et le visage est pas terrible, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose. Du coup, elle est très abîmée. Bah, je sais que j'ai acheté une... En fait, j'avais une autre acheté une poupée de Flora Charmix. Mais je crois que cette poupée-là, c'est une deuxième poupée de Flora Charmix. Je savais pas qu'il y avait une deuxième poupée. Et du coup, bon, je n'ai pas le choix, je le prends. Et hop, j'ai fait une custom en Drake Flora. Donc, je ne dis pas plus. J'ai déjà tourné avec elle le jour de la tournage d'avant. Du coup, là voilà. J'ai mis les petites perles dessus dans ses cheveux. Et ses ailes, bon, elle n'est pas aussi top, mais elle est vraiment super. Donc là voilà. Et du coup, la coiffeuse coiffée est comme ceci. Et j'ai mis un truc de papillon dessus. Là voilà. Donc, là voilà pour la suite. Ensuite, j'ai fait aussi les customs, mais vraiment super. J'ai customisé Bloom et Tecna en 36. Et comme j'ai déjà tourné avec ces deux-là, du coup, j'ai décidé de faire customiser des Wings Enchantix, Poupée Wings Enchantix. Mais comme je ne les ai pas en poupée en vrai, j'ai pas le choix et je l'ai customisé. Du coup, pour Bloom, j'ai fait un petit truc d'élastique bleu, comme ses chaussures. Sa robe est comme ceci. Bon, j'ai pas aussi réussi top. Ses ailes. Bon, dis-moi en commentaire, les ailes sont bien applicables. Et j'ai mis les petites papillons dessus. Bon, c'est comme aussi une barrette qu'elle avait portée. Et comme ceci. Et du coup, il y a les yeux bleus. Les lèvres roses. Super flashy. Super mignon. Du coup, pour Tecna, je fais aussi un élastique violette. Sa robe est comme ceci, en tissu comme d'hab. Et je fais ses gants de vert, vous voyez, parce que Tecna, elle porte des gants verts. Et du coup, en fait, cette poupée-là, c'est Tecna chanteuse. Et du coup, j'ai deux fois poupée Tecna chanteuse. Ça tombe bien parce que j'ai vraiment besoin. Celle-là, je vais laisser en Enchantix en attendant. L'autre en normal. Et l'autre, c'était en Tecna Butterfix que j'avais fait montrer. Et j'ai rajouté une barrette dans ses cheveux. Bah, c'est même pratique quand il est animé. Et là aussi, ses ailes. Et comme ceci. Bon, dites-moi en commentaire si vous aimez les customs que j'ai fait.
Donc je vais vous la montrer ça, peut-être sur Instagram ou tout ça, demain. Donc elle est comme ceci. Donc on passe à la suite. Ensuite, voici Bloom Chanteuse. Et j'ai la deuxième poupée de Bloom Chanteuse. Comme la mienne est assez abîmée et j'ai réussi à faire une custom Bloom en sérénite. Ça, je n'en dis pas plus, mais je pense que vous l'avez visité dans la série sérénite. Du coup, j'ai décidé de la custom et puis voilà. Par contre, elle est un petit peu dégoûtante. Je l'ai nettoyée quand même au cas où. Ça, c'est ma ancienne robe de Bloom, la mienne. J'ai mis pour elle parce que franchement, elle est bien. Et en plus, elle est comme neuve parce que ce sourcil qui est là et a été disparu. Du coup, je l'ai mis sur et du coup, c'est enfin trouvé. Par contre, le visage est dégoûtant et faut vraiment que ça le soit. Du coup, j'ai mis sa blouse, j'ai mis sa tresse, et puis voilà, c'est tout. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi Stella Chanteuse, j'ai enfin retrouvé enfin la vraie poupée de Stella Chanteuse, parce que la mienne est carrément abîmée. Du coup, je l'ai enfin acheté. Et en plus, ses cheveux étaient en mauvais état, et du coup, je l'ai laissé comme ça. En fait, sans faire exprès, j'ai customisé Stella Charmix, mais seulement en double. Enfin, comment dire, l'esprit de Stella en Charmix. En fait, je n'en dis pas plus, mais ça, c'était pour dans ma saison 8 des Wings. Et comme j'ai déjà tourné avec elle, j'en ai pas le choix, mais c'est juste pour faire les esprits de Stella. Mais je n'en dis pas plus. Du coup, son vrai visage est magnifique. Elle est comme neuve, elle est super. Et maintenant, à partir de ces deux-là, je ne touche plus. Elles sont magnifiques, franchement. Et un de plus, j'ai les chaussures de Stella Chanteuse. Et enfin, j'ai la deuxième robe de Stella Chanteuse. Voilà pourquoi je l'ai acheté, les poupées chanteuses. Parce que les miennes sont un peu abîmées, enfin surtout pour Bloom et Stella, mes anciennes. Du coup, j'ai décidé de les acheter moi-même, tout simplement. Voilà. Et maintenant, enfin, c'était presque à la fin. Là, voilà, voici Bloom. Je crois que c'est une Bloom chambre des Wings. Malheureusement, j'ai pas les accessoires des chambres des Wings. J'ai que sa robe. Enfin, j'ai que cette vraie poupée de Bloom chambre des Wings. Je suis hyper dégoûtée parce que normalement il y avait la chambre des Wings. Mais c'est vraiment dommage parce que franchement j'aime bien les avoir, les poupées. Enfin, cette poupée et avec la chambre des Wings. C'est hyper dommage parce que je voulais tellement la retrouver. Mais comme il n'y est pas au vide-grenier, c'est pas grave. J'ai pris que elle pour l'instant. Et on verra ça dans. Peut-être qu'au vide-grenier cette année, en 2023. Peut-être si je peux essayer de retrouver d'autres poupées Wings Mattel. Par exemple, les poupées Wings enchantées. Et sûrement je les retrouve enfin. Sinon, je suis vraiment dans la merde. Donc voilà. Du coup, cette poupée-là, c'est une poupée de Bloom Chambre des Wings. Sa robe, elle est comme ceci, elle est bleu clair, et plein de petites poches, c'est super mignon, avec des petites tresses dessus et plein de petits boutons. Par contre, le visage n'est pas aussi terrible. Son rouge à lèvres, elle est violette, mais vraiment très violette, très flashy, et un petit peu abîmée un peu, alors j'ai réussi à colorier dessus pour que ça arrive bien impeccable. Mais les cheveux sont pas terribles, mais j'ai réussi à les coiffer. Donc, là, voilà. Et maintenant, à la fin de ma vidéo, et voici Stella. Donc ça, c'est la deuxième poupée de Stella Charmix. Comme celle-là, elle était très abîmée, j'ai décidé de la customiser en Enchantix. Et j'en ai vraiment besoin pour ma tournée de ma série. Et je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, j'ai tourné un tout petit peu de ma série des Wings. Et j'ai tourné un petit peu de Stella Enchantix. Et bon, je sais que j'ai fait les customs de Enchantix, Bloom, Tecna et puis Stella. Par contre, je suis hyper dégoûtée, c'est que j'ai pas trouvé les autres deuxièmes poupées doubles de Layla et puis Misa. Je suis un peu dégoûtée parce que je voulais tellement les avoir. Comme ça, je peux faire les customiser de
de mon chantier. Je n'en dis pas plus, mais comme je n'ai pas encore terminé mon tournage de ma série de Wings saison 8, il manque juste la finale et puis la partie de monde. Du coup, voilà quoi. Donc, je suis vraiment trop content de les avoir. Donc, les voilà. Voici tous mes poupées que j'ai acheté au vigrenier de celle de 2022 dernier. Et du coup, je suis trop contente de les avoir parce que je l'avais cherché vraiment partout. Par contre, je vais vous la montrer, les anciennes photos que je vous publierai ça plus tard. C'est les anciennes photos que je les ai fait la review, mais pas seulement la review. Et donc, voilà quoi. Du coup, je vous mets le lien. Et je vais vous la montrer juste après la vidéo de celui-là. Voilà. Et voilà, c'était juste la présentation de... pas la présentation, mais j'ai pas fait beaucoup. Mais en fait, je fais plus rapidement possible les reviews de les poupées Wings ce matin. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Enfin, cette vidéo vous aura plu, pardon. Je me suis gourée. Et du coup, c'était la fin de la nouvelle review des poupées Wings. Voilà. Toutes les présentations des poupées Wings Barbie et tout ça, je les ai achetées au vigrenier l'année dernière en 2022. Du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de les acheter. Parce qu'ils sont très abîmés un peu, mais c'est pas grave. Mais j'ai réussi à les customiser. Je suis trop contente de les avoir, du coup. Maintenant, je peux enfin faire mes customs et enfin faire tourner ma série des Wings, tout simplement. Du coup, le prochain nouvel vidéo indie, déjà, c'est les extraits de l'épisode dans le prochain. Et du coup, ça arrive très vite. Et je suis vraiment désolée, mais j'ai pas pu faire beaucoup de choses. Les montages hyper compliqués dans mon ordinateur, parce que j'ai un gros problème, j'ai du mal à faire les montages hyper compliqués à rappeler où j'avais été tourné. Du coup, c'est pas grave, de toute façon, c'est comme ça, et puis voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine review de nouvelle poupée vidéo inédite, tout simplement. Voilà, et je vous laisse très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Bonjour à tous. Et avant de quitter, je sais plus combien j'en ai des abonnés. Il faut que je regarde. Et à mon avis, j'ai 621 abonnés, je crois bien. Mais je suis pas sûre de moi. Mais si, j'en ai 621 abonnés. C'est un truc de malade que j'ai pas vu le temps passer. Du coup, j'étais un peu surpris, mais normalement, j'en ai 2 millions d'abonnés, et en fait, non, j'en ai 621 abonnés. Et c'est un trop de malade, donc je tiens tous vous remercier infiniment de mettre votre commentaire aussi géniaux. Bon, je sais que les commentaires, je regarde pas beaucoup, j'ai vraiment pas le temps. Du coup, je suis trop content, mais c'est un truc de malade, quoi. Ouais. Bref, je vous dis tous à très bientôt pour une prochaine vidéo inédite, tout simplement. Voilà. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Salut à tous. Ciao. Salut les abonnés, mes amis. Your silver in my tambourine. Help a poor man build a pretty dream. Give me pennies, I'll take anything. Now listen while I play my green tambourine. Watch the jingle jangle start to shine. Reflections of the music that is mine. When you toss a coin, you'll hear it sing.
listen while I play my green tambourine.